pour nous faire oublier. Je suis en train de mourir. Je peux même pas respirer normalement. Bah, je respire par la bouche. Alors qu'est-ce que tu as mangé? Montre-nous, présente-nous. Attends. J'ai mangé. Tous les trucs que vous voyez, c'est du piment. Et j'ai trouvé ça dans l'assiette. Mais en fait, on savait pas trop ce qu'on commandait parce que c'était ça. On boit rien. Voilà. Au pif, il a pris ça. En fait, c'était une salade. Et au pif, j'ai pris ça. En fait, et moi, j'ai eu ça. Avec des trucs bizarres, là. Très, très bizarres. Regardez. Je vous montre. Du piment. Moi, je ne finis pas non plus, j'ai les lèvres en feu. J'en peux plus. Et en plus, c'est pas bon. Et c'est vraiment la première fois que ça nous arrive. C'est pas bon. Le goût n'est pas bon. C'est... On a l'impression de manger du poisson pourri. C'est pas bon. Et ça? C'est du crabe. Cru. Oui, oui, cru. C'est du crabe cru. Bon, ça va, le piment commence à disparaître. Pas moi aussi. On se casse? Ouais, bah là on a gâché, hein. Voilà, nous sommes dans notre nouvelle chambre, notre nouvelle maison pour 3 jours. Je vous fais visiter. Ouais, tu fais pas la salle de bain. Non, non. Voilà, donc c'est beaucoup plus grand que notre hôte. On a un grand lit, on a beaucoup d'espace. On va pouvoir accrocher là-haut, à la fenêtre, notre linge à sécher, puisque là, je vais tourner une lessive. On a une vue assez sympa, ça va. Ça donne sur cours, du coup c'est plutôt sympa plutôt qu'avoir la route. Non, on est plutôt sympa. Après, la clim là-haut ne fonctionne pas, les fils ont été coupés. Nous, on a demandé sans clim parce que c'était beaucoup moins cher. On s'en sort du coup pour une chambre à 12 euros la nuit et on l'a pris 3 jours. Donc on reste dans notre budget. Budget respecté. Les bananes. Il a un mot à nous dire. Merci les bananes. Great. Voilà, du coup on est à Bangkok. On a trouvé tout ce qu'on déteste en fait. On vous montre. Tout ce qu'on voulait pas. On est dans un quartier qui s'appelle Tiwit and en fait c'est un quartier touristique, donc on a suivi les conseils de TripAdvisor et de tous les conseils de touristes, des agences et tout sur internet, et en fait voilà, on est au milieu de touristes. Il y a les Thaïlandais qui sont, c'est que des gens qui vendent, il n'y a que des boutiques, les taxis. On se fait accoster à chaque coin de rue pour n'importe quoi, à des prix exorbitants. Nous, à la base, on était de Bangnan. Donc on était de Bangnan, et à Bangnan, c'est au sud-est de la ville. Et en fait, au sud-est, si vous voulez, on pouvait manger pour 20 bahts. Et là, tout est au-dessus de 150 bahts, donc on est un peu désarçonné. On a trouvé un hôtel pour la nuit, et il ne nous reste plus qu'une guest house pour finir la semaine prochaine. Donc on fait le tour, on regarde les prix, mais pour le moment on n'a rien trouvé de très 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 attractif. Peut-être une chambre à 300 bahts à la nuit, mais bon, on n'a pas vu à quoi elle ressemblait, donc on verra demain. On doit quitter notre chambre à midi et on peut que checker une nouvelle chambre à partir de midi, donc ce sera un peu le rush avec... Alors là on est
près du Grand Palais. On est en train de manger. Alors, ce qui est tout à fait pas normal en France, c'est-à-dire que vous avez la route principale, le boulevard, et là vous avez une sorte de brique-brique sur des tabourets. Donc en fait, nous on mange là, grâce à eux, qui cuisinent là au fond, vous allez voir. Cuisine sur place. Et après, ils nous servent directement. On n'a pas trop eu le choix, puisqu'en fait, on est dans un quartier assez touristique et d'habitude, on prend des fruits frais ou une boisson. Et là, effectivement, mis à part manger directement, les fruits frais étaient exorbitants. C'est 20 bahts les petits carrés de fruits. Donc d'habitude, on payait 10 bahts les fruits. Donc ouais, c'est le double. Moi, c'est normal, on est à côté du Grand Palais, on s'en doutait. Du coup, on va tout de suite manger. Et on essaie toujours de chercher les bonnes adresses pour finir du coup la semaine. Voilà. On vous dit à tout à l'heure sur les sites historiques. Donc là, c'est tous les gens qui vont voir le roi décédé, qui est encore entreposé. Du coup, c'est assez impressionnant. Vous allez voir après sur la droite. Donc là, ils rentrent tous au palais, au Grand Palais. Okay, thank you. Okay, ma, very good. Ah, mal à l'air. Ça va, cherche quoi? En fait, j'ai utilisé le portable et l'application, c'est pour prendre des photos de nous. Ah, bah prends la batterie de secours aussi parce que moi j'ai plus de. Ah, avec mon phone, tu sais, genre, je décharge. C'est cacahuètes? C'est gay? Elles sont comment les cacahuètes à Steve? Ne les pose pas là, ça fait bizarre. Elles sont comment les cacahuètes à Steve? Elles sont bonnes. Yeah, it's a scorpion. It's a scorpion. No. No, scorpion. Yeah, it's scorpion. It's a centipede. Centipede. Oh, a centipede. Yeah. And you can see what happened when you see, he got one section with two legs. Mm-hmm. One section with two legs. This is centipede. And we have millipede. They have four legs for 6 men. That's what different. The thing is, centipede, they're fast. They're aggressive, yeah. And then they're poisonous. People put them in a bottle of whiskey. Regarde ça. Tu filmes sous l'eau?
see something like that. Yeah, it's gone. Mm-hmm. And that's handy. Mm-hmm. It's got a knife up here. My baby, not more than one, it's my baby. Because this animal, they can have babies every 4 years. And then every 4 years they can have that only one baby only. Because if you know about how do they make. Oh no, 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 the plastic. Oh, mais il y en a trois. There are three. Je pense que l'autre, il les appelle. Nataye nat. Nataye nat, tayen, tayen, tayen. What? Whoa, 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 whoa. Putain, c'est bon. Can you hear the camera? Whoa, 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 whoa. Ninguai, ninguai. Des éléphants. Oh, what? So... You're banging some tubes at us. Oh, no. Oh my god. C'est franchement incroyable. Parce que je pense que quand t'en as 4 qui chargent, oh. Eh mais il y en a. Tu vois quelque chose? Je filme, ouais. C'est impressionnant. Oh, you're with a baby. Il va nous charger. Vous êtes prêts à vous accrocher au cas où, hein? Non, non. Il reste. Non, il reste suffisamment. Sauf s'il claque une charge. Non, non. Ils sont bien, ils vont rester en fait. Sur la route. On va faire chier. On va chier le monde. Oh, baby! Ouais, ouais, je filme tout là, là je suis à fond. Tu as filmé quand il y a la chambre? Ouais, ouais. Et ils sont nombreux! Ils vont rester là. C'est-à-dire? Non mais je vois très très bien, je t'assure. En okay. Plus j'ai le bras reposé. J'ai tous les fessiers là, c'est super. Okay. Ils font tous tête à tête. But he's under repairs right now. He's getting new stuff. Hi girls. Hi man. It's a movie. It's a movie, wow. Hi Jesse. No? Okay. Well then, you want to release it? Whoa. Oh my god! No! Hold it! Go! I don't want to. Bon ben voilà, l'aventure d'un Thaïlande se termine dans quelques jours. On profite de ce moment et de cet endroit assez paradisiaque pour faire le point.
On a eu quelques questions là, en fait, on va vous les lire et on va essayer d'y répondre. Alors, est-ce que notre vie d'avant nous manque ? Non. Non. Non, elle nous manque pas du tout. Non. En plus, bah, on va juste faire un tour pour que vous voyez un peu où on est. Voilà, on est dans une ferme en Thaïlande et en fait, on est sur un hamac. Voilà. Donc non. Qu'est-ce qui nous manque par rapport à notre vie d'avant ? La bouffe. À manger. Encore. Non, nos proches aussi. C'est-à-dire, ouais. tous nos proches nous manquent. Après, effectivement, au niveau de la bouffe, ben, le salami, le fromage. Alors ici, vous ne trouverez jamais de fromage. Tout ce qui est produit laitier, de toute façon, ça coûte très cher pour le avoir une vache. Le pain. Le pain, le chocolat. Le chocolat. Le vin. Le toutes vin. Les bonnes choses. Qui sont pas forcément françaises, mais qui étaient une habitude chez nous, quoi. La bouffe. Qu'est-ce qui va vous manquer en quittant la Thaïlande ? La douceur de vivre. Alors, on vous explique un peu notre journée type. On se lève à 6 heures, on travaille à 7 heures. Après avoir travaillé, on bosse du coup de 7 heures à 8 heures. Après, on mange pendant une demi-heure le petit-déj. Tout le monde ensemble. Après, on reprend le travail et on travaille jusqu'à 11h, 11h30 max. Et après, on remange ensemble et après, c'est libre. Donc, on fait libre, ce qu'on veut. Et vous avez le lac, vous avez les vélos, tout est à disposition. Et nos hôtes, ils sont trop sympas. Donc, ouais, cette cool. Douceur de vivre va vachement nous manquer. Alors, une habitude française que vous ne faites plus. Regardez la météo pour savoir quel temps il fera demain. Regardez l'heure, mis ouais. à part pour savoir à quelle heure il faut manger et à quelle heure il faut se lever, sinon on regarde plus du tout la montre. Ah, moi, il y a un truc que j'adore, c'est que je me lève. Attends, bien, on se redresse un peu. Je me lève le matin et genre, avant de sortir, je regarde plus du tout quelle tête j'ai. Et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est alors, vrai. Parfois, je peux avoir des têtes horribles, mais c'est pas grave, tu t'en fous, t'es en Thaïlande. Qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie en rentrant en France ? La bouffe ? Ah, plus de spicy ? Je sais pas. Être plus serein, plus cool, plus relax, je pense. Ouais, et prendre la vie un peu plus simplement. Après, voilà, c'est notre premier pays, ça fait que 3 semaines, donc on peut pas vraiment dire. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien en fait de plus stresser. Plus de crise de panique, plus d'urticaire, plus rien. Juste se dire, je me lève pour bosser et après, je fais ce que j'ai envie. C'est fini, ouais. Et la dernière question, c'était qu'avez-vous appris ? Qu'avez-vous appris ? Couper du bambou. Couper du bambou. Faire des meubles en bambou. Faire quoi après ? Peindre du métal, ouais, bon, ça m'occuper des chèvres. Faire berger, ouais. Faire bergère. Avec des moutons. Pêcher la carpe taille. Carpe taille, ouais. Ça, c'était cool. Se baigner dans un étang rempli de poissons. Bon, c'est pas vraiment qu'est-ce que vous avez appris, mais... Ouais, c'est des petits trucs comme ça qu'on aime bien. Peut-être qu'on a appris à être plus cool, en fait. Vachement ouais, plus ça, serein. Par contre, ouais. Et à parler un petit peu plus anglais. On vous a même pas dit bonjour au début. Mais on s'est dit et... Comment on dit ? Bonjour en thaïlandais ? Mm-hmm. Ça va dit clap. Et pour moi c'est ça va, Elika. Et voilà.